Bonjour à tous. Bonjour. On va démarrer avec quelques petites questions, ça fera venir les retardataires. Merci à tous d'être venus si nombreux. On est très contents de vous accueillir. Avant de se présenter, je vais poser quelques questions. Qui a déjà entendu parler d'Unfix ? Une personne. Donc je ne vais même pas poser la deuxième question qui est qui a vraiment le regardé ce que c'était. Parce que du coup, c'est vraiment un atelier découverte et on est ravis de le faire avec vous aujourd'hui. Je m'appelle Clément Rochat. Je travaille chez Scaleway. C'est un cloud provider français qui est souverain, qui a aussi une conscience de l'importance de consommer peu. Et donc, du coup, on a de l'innovation, y compris dans nos data centers qui sont en France, avec pas de consommation de clim, par exemple, pour donner un exemple de ce qu'on peut arriver à faire. Et avec des licences aussi et du software qui est développé chez nous, et avec des licences françaises et dans le droit français et européen. Moi, c'est Thomas Clavier, donc je suis chez Acoba, une boîte qui fait de la transfo d'entreprise. Et je fais du coaching craft, agile, DevOps, un peu tout ce qu'on veut. J'ai un gros passé d'admin 6. Et j'ai une deuxième casquette, c'est enseignant-chercheur à l'université de Lille. Alors l'agenda aujourd'hui, on a essayé de faire quelque chose d'un petit peu dynamique. On va vous présenter, on va prendre un peu de temps pour présenter le concept et découvrir avec vous ce qu'est Unfix. Ensuite, on voulait faire quelque chose qui ressemble un peu à un Rex. Cette année, on a pas mal essayé tous les deux dans des contextes différents la modélisation avec Unfix. Et donc du coup, on a créé une espèce de pseudo-interview où on va se poser à nous-mêmes des questions, mais donc du coup pour essayer de vous raconter un peu ce qu'on a fait. Et puis on l'espère, en 40 minutes, on aura du temps pour vos questions et discuter un peu avec vous à la fin. Ouais, sinon on sera là-haut dispo. Bon, Unfix, ça ressemble à ça. Quand on voit ça, on voit tout de suite plein de choses super intéressantes. D'abord, ça a des couleurs de jeu un peu à la Fisher-Price. Ça, c'est quand même le point le plus important. Le deuxième, c'est que on va voir qu'il y a globalement une espèce de flux de valeur qui est créé par les deux boîtes jaunes horizontales. Et puis, il y a plein d'autres cases autour qui sont l'ensemble des équipes qui vont participer à la création de ce flux. Mais grosse maille, c'est à peu près tout ce qu'on voit. Sinon, ça fait globalement un peu peur. Quelque chose qui est très clair et qui souvent forcément on tombe un peu dans le panneau, si vous avez déjà eu des expériences avec des frameworks d'agilité à l'échelle, du SAFe, du LESS, du modèle Spotify ou encore d'autres, il y en a des dizaines maintenant, c'est pas ça. On n'est pas en train de réinventer un autre modèle pour essayer de structurer les entreprises. Le but d'Unfix, c'est de vous proposer un outil qui va vous permettre de modéliser votre entreprise, votre organisation, avec la liberté de vous permettre de créer quelque chose qui correspond avec à votre contexte. Ça, c'est une petite phrase que j'ai prise sur le forum à une question qui était posée à Jürgen Apello, qui a inventé le modèle, qui explique bien que Unfix, c'est une librairie qui permet aux organisations clairement typées agiles de s'organiser et de créer le format de communication qui va être efficace pour eux. Et il parle même de XP Teams, donc il vient aux sources des équipes craft agiles. Alors vous avez tous cette expérience, lu les nombreux articles qui ont popé sur le web il y a quelques années à propos de Agile is dead. Et effectivement, quand on revient aux sources de l'agilité, on se dit que globalement, aujourd'hui, quand on commence à appliquer des frameworks à la lettre, quand on applique on va mesurer combien de fois on fait des daily meetings, combien de fois on fait des rétrospectives, combien de fois on fait des PI planning, etc. À la fin, on applique juste des règles à la lettre, sans en avoir compris l'essence. Et au bout du compte, ça sert à rien, mis à part rajouter bon nombre de réunions, mis à part rajouter du boilerplate autour d'une organisation qui n'était déjà pas forcément extraordinaire.
on est dans ce contexte-là, et alors que bah, tout le monde est en train de dire que c'est absurde de faire du safe, parce que dans les piliers de l'agilité, on a quand même processus et outils moins... Il ne faut pas aller faire les processus et les outils, il faut plutôt aller vers de la communication et privilégier les interactions entre êtres humains. Et qu'est-ce qu'on fait avec SAFE? Qu'est-ce qu'on fait avec tous les modèles d'organisation à l'échelle? On arrive avec des outils, des process, des trucs qui sont hyper rigides. Et on est dans un contexte comme ça. Et Jürgen Appello, en début d'année, alors il a commencé à travailler dessus en 2021, mais globalement c'est janvier 2022 quand il va commencer à publier Unfix, il dit ce qu'on veut, c'est des organisations qui sont apprenantes et on veut être en capacité de modéliser en permanence des organisations apprenantes. Il y a deux images. Alors, je viens de Roubaix. À Roubaix, il y a une usine qui est un peu connue, qui a marqué l'histoire de Roubaix, qui est l'usine Van Outrive. L'usine Van Outrive, très pyramidale. On est dans les années 1873, là j'ai la photo. On est dans le textile du Nord. Et il y a 2500 personnes qui sont organisées dans une organisation ultra pyramidale. Je ne sais pas si vous avez été regarder un petit peu comment est organisée l'entreprise Gore. C'est un espèce de réseau, de maillage, de mini-entreprises, de mini-sociétés. La plupart sont des usines. Gore, ils font le Gore-Tex, ils font aussi des cordes de guitare, ils font aussi des choses complètement variées. Ils ont à peu près 150 usines dans le monde, et les 150 usines sont autonomes, mais elles communiquent entre elles. Et donc on se retrouve avec, quand on essaye de modéliser l'organisation Gore en 2000, avec le schéma qu'on a sur la droite. L'objectif de Unfix, c'est de pouvoir modéliser aussi bien l'organisation de gauche que l'organisation de droite. On verra que ce n'est pas totalement vrai, mais globalement c'est ça l'objectif qui est derrière. C'est comment on va faire pour essayer de modéliser n'importe quelle entreprise, et se dire, bon, voilà, maintenant on est en capacité de voir, de faire l'état des lieux actuel, de regarder ce qui va pas, et puis de se dire bah, qu'est-ce que je peux changer à l'intérieur pour aller vers quelque chose de mieux. Puis une fois qu'on a quelque chose de mieux, c'est comment je fais pour pouvoir continuer à aller vers quelque chose d'encore mieux, etc. Alors voilà quelques réponses à pourquoi un nouvel outil qui sont décrites du coup pour expliquer Unfix. Pour décrire donc des organisations apprenantes, comme le disait Thomas, pour changer le vocabulaire, et on y reviendra, moi c'était un point qui m'intéressait énormément, pour décrire des organisations dans leur intégralité, ne pas juste essayer de faire quelque chose qui correspond à peu près notre besoin à tous ici, c'est déjà les départements IT, de les structurer. Là on va essayer d'avoir une vision beaucoup plus large. Et c'est la réalité d'aujourd'hui, hein. Les entreprises sont des entreprises tech, qu'on le veuille ou non, et la tech prend une part de plus importante dans l'entreprise. Pour décrire les organisations du futur, sous-entendu, c'est un outil qui est focalisé sur la réalité des entreprises qui réussissent maintenant et donc du coup qui en prennent les bonnes pratiques. Et donc on va le voir, le modèle va prendre certains partis pris et nous aider à aller vers ces solutions-là. Commençons à découvrir, donc vous avez vu tout à l'heure le grand schéma là, qui démontrait une entreprise selon avec Unfix. On va essayer de rapidement passer sur tous les outils du coup mis à disposition. Le premier, ça s'appelle la base, c'est le cercle que vous voyez ici, rond, qui va structurer un morceau de l'entreprise, une intra-entreprise. Alors, si vous êtes un peu habitué à d'autres modèles, une tribu, un train, un département, je ne sais pas ce qu'on peut appeler encore, mais globalement... Une usine. Dans Unfix, on peut changer le vocabulaire. Il y a un vocabulaire qui est donné, mais si vous avez déjà un autre vocabulaire, aucun problème, vous êtes encouragé à garder ce qui marche et ce qui est connu chez vous. Petite particularité, il exploite une notion qu'on va pouvoir essayer de dire un petit peu fractale, c'est de se dire que à l'intérieur d'une base, si on veut le faire croître, ben, soit on a des bases qui communiquent les unes avec les autres, soit finalement on a une base qui est composée elle-même de plusieurs bases.
Et donc, ce qui permettrait de modéliser des organisations beaucoup plus grosses. Le modèle détaille aussi différents types de bases, donc des bases où les équipes travaillent toutes pour le même sujet, des bases qui ont du coup des dépendances avec d'autres bases, des bases dont les équipes en interne sont potentiellement même elles concurrentes, c'est-à-dire qu'elles ont un même business, un même métier, et elles vont travailler potentiellement en se faisant de la concurrence. Et ça, toutes ces possibilités-là, le modèle et la librairie de patterns, de dessins, va permettre de retrouver du vocabulaire et de l'explication qui vont vous permettre de faire le lien entre le modèle et ce que vous faites vous. Et la taille, en général, moi, pas au-dessus de 150 personnes. Le nombre de Dunbar est souvent rappelé. Si vous ne connaissez pas le nombre de Dunbar, c'est la taille maximale d'une entité, d'une entreprise dans laquelle les gens peuvent avoir des interactions relativement facilement. Au-dessus de 250, on part du principe que les gens ne peuvent plus se connaître et travailler ensemble sans mettre tout un tas de process, de complexité et potentiellement de hiérarchie dans le système. Alors, je vous parlais tout à l'heure des boîtes jaunes horizontales. Là, on est sur... alors, il va parler d'équipage et puis d'équipe. Enfin, on revient un peu sur un système qui est similaire. Et on est sur aligné sur un business. Et on va essayer de tirer de la valeur depuis la gauche vers la droite. Et donc, une équipe value stream, elle est complètement responsable de produire de la valeur et elle est responsable de son business. Alors après, comment elle est organisée, on s'en fiche. Ça, le modèle ne répond pas à cette question. Si vous êtes habitué à des termes comme feature team, par exemple, une feature team est une value stream dans le contexte. Quelque chose qui est assez nouveau, ou en tout cas dont maintenant on a à peu près l'habitude dans les entreprises, mais qui n'existe pas dans les façons de le visualiser, c'est que là, il y a vraiment une forme et une couleur qui permet de visualiser les équipes de facilitation. Des équipes de coach, des équipes de mentors, des gens qui vont faire du lien entre les équipes et dont le métier et l'équipe est organisé sur le fait de fluidifier le travail des autres. Donc ils ne produisent pas, mais ils sont dans le schéma et ils vont leur boulot, c'est d'aider les équipes à devenir productives. Alors on a la capability crew. Donc là on est sur des équipes d'experts, des gens qui vont venir mettre à disposition des experts dans les équipes de flux. Il y a plein d'endroits où j'ai vu des organisations réutiliser cette boîte-là comme des component teams. Vraiment des équipes qui sont capables de produire un composant et de le mettre à disposition, ça revient à peu près au même. En général, hein, quand une expertise est importante sur un module, quelque chose qui amène une complexité, une expertise, on va pouvoir du coup modéliser ces quelques personnes dans ce format. Ah, une composante qui nous paraît super importante aujourd'hui à DevOps D-Day, c'est la Platform Crew. C'est vraiment l'équipe qui met à disposition, sous forme d'API, sous forme de service, sous forme de ce qu'on veut, mais qui va mettre à disposition des composants de base pour l'ensemble des value streams. On est vraiment avec un équipage à part qui est en capacité de fournir sous forme de service. Alors, pas forcément de service web, pas forcément de ça, mais vraiment de fournir des services à l'ensemble des autres équipages. Je prends souvent un exemple hein, pour visualiser cette notion de plateforme qui est de plus en plus, enfin le nom commence à devenir un buzz, mais le concept est là depuis longtemps. Vous prenez une équipe, comme on l'a vu tout à l'heure en jaune, là les value streams. Dans cette équipe, on veut qu'elle soit le plus petite possible et qu'elle soit pluridisciplinaire. Il y a peu de chances que vous ayez besoin, par exemple, d'un DBA à temps plein dans cette équipe. Par contre, l'idée, c'est pas de se coordonner, de planifier du temps d'un DBA dans une équipe qui a plein de choses à faire et plein d'équipes à voir.
on va essayer de construire un produit qui va être à disposition des équipes, et donc du coup les services d'administration de base, de services managés autour des bases de données, on va essayer de les fournir à la demande et plutôt par une API plutôt que par un ticket où ça va réveiller quelqu'un qui va devoir travailler dessus. Bon, on verra ça en détail dans notre interview. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Team Topology, qui commence à faire pas mal de bruit? Levez la main si vous avez déjà... Voilà. Donc, vous avez peut-être vu des différences si vous l'avez vu. Team Topology, c'est un livre qui est sorti en 2019, si je ne me trompe pas. Moi, je crois que c'est ça. En tout cas, c'est très récent, qui a vraiment, que je vous encourage à lire, qui est vraiment fait pour essayer de décrire l'organigramme, la façon de travailler, ou plutôt le non-organigramme d'une équipe d'équipe IT. Et donc il y a eu beaucoup de travail de recherche et le travail est super intéressant. Ça ressemble beaucoup, puisque vous voyez dans les concepts de Team Topology, on a des choses comme les Stream-Aligned Team, les Enabling Team, qui ont les mêmes couleurs et les mêmes formes. Clairement, Unfix a, et le dit clairement, a repris ces travaux-là et les a améliorés, édulcorés pour son besoin. Ouais, il a aussi utilisé un autre bouquin très en vogue en ce moment qui était Reteaming Organization, qui justement parle de comment on fait pour être en permanence en mouvement à l'intérieur de l'organisation. Alors, on est d'accord, quand on demande les clés de succès de Jeff Bezos, il va répondre, il y a trois règles clés à retenir. Client first. Le client au centre. Client first. Puis la troisième, confère première règle. Globalement, à partir du moment où on parle à des boîtes qui ont systématiquement mis le client au centre, et puis ça date pas d'hier, ça date même pas d'avant-hier, ça date de la nuit des temps. Globalement, c'est la clé de succès de toutes les entreprises qui ont vraiment réussi. Remettre le client au centre, faire en sorte que le client soit content. Et à partir du moment où on se dit que c'est ça la clé de succès, et ben finalement, on se retrouve avec deux équipes à rajouter à la fin et au début du flux. À la fin, on va regarder une équipe qui s'occupe juste de l'expérience du client et qui va être là pour s'assurer que le client est content. Et puis, en tout début du flux, on se retrouve avec une équipe qui, elle, est plus orientée sur comment on fait pour aller chercher des partenariats, comment on fait pour arriver à avoir des gens qui sont en adéquation complète avec notre façon de mettre les clients contents. Et donc, on est là avec deux équipes miroirs qui sont capables d'accompagner le client depuis son entrée jusqu'à la sortie du service pour faire en sorte qu'ils soient toujours contents. Et donc ça, c'est un des points où on insiste beaucoup dans Unfix. Et ce n'est pas un hasard qu'on insiste dessus. Et c'est là où il y a un début de biais et de choix, on va dire, d'architecture. C'est-à-dire qu'en fait, par défaut, on se dit il faut absolument que le client soit content. Et par défaut, on va remettre le client au centre. Et par défaut, il va falloir. En tout cas, on vous rappelle qu'il y a au moins deux équipes qui sont très importantes pour aller prendre soin du client. Pour une idée de ce qu'il y a dedans, dans l'équipe expérience, si vous avez des designers, de l'UX, de l'UI, ils seront sans doute dans cette équipe. Et il y a d'autres profils qui peuvent l'être. Et de l'autre côté, partenaires, pour des choses qui nous concernent très souvent, le fait d'avoir des partenariats avec par exemple des entreprises de prestations pour intégrer des développeurs dans notre base, c'est structuré dans une équipe qui est là pour aider la base et non pas un département d'achat ou d'approvisionnement qui soit humain ou technique derrière. Alors celle-là, elle est en tout cas pour moi super importante et super novatrice. Dans une base en Unfix, il n'y a pas de tour de verre pour nos chefs à plumes. Il y a une équipe de gouvernance et c'est le seul endroit où on a des managers dans le système. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut absolument tout changer chez vous, mais de toute façon, si vous formulez, si vous modélisez votre organisation ou celle que vous voulez atteindre dans quelques semaines, mois, avec Unfix, vous structurez avec cette équipe bleue où les chefs se retrouvent. Et donc,
Je vais vous prendre un exemple qui est assez régulier. Quand vous avez un département produit, un département technique, vos responsables, engineering manager, PM, etc., vont se retrouver modélisés au même endroit et en tant qu'équipe. Et donc, les gens à l'intérieur doivent se comporter en équipe, mais les responsables doivent aussi se comporter en équipe et créer un environnement qui fait que les, du coup, Streamline Team sont efficace dans un environnement où ils ont tout pour travailler et produire de manière efficace. Après, il y a un autre composant qu'on retrouve souvent dans plein d'autres endroits, qui est de dire bon, c'est cool d'avoir des équipes qui sont alignées sur un business, mais quand à l'intérieur on a des gens qui sont spécialistes d'Android, mais on en a répartis dans toutes les équipes, puis des gens qui sont spécialistes de je sais pas quoi. Enfin, on peut avoir en fait des gens qui ont une spécialité, qui ont une expertise sur un sujet et qui sont pas regroupés dans une équipe. Malgré tout, en fait, ils ont quand même besoin, et c'est super important, qu'ils échangent entre eux, qu'il y ait des communautés, qu'il y ait des choses qui fassent que bah, tout le monde monte en compétences et qu'il y ait des vrais partages de pratiques. Il y a des forums et des shares, donc on a un petit peu les deux, mais bon, voilà, il y a un ensemble de forums qui existent et qui sont qu'on est en capacité de modéliser. D'autres noms, communautés de pratique, guildes, chapters, tout ça c'est des forums au sens de Nunfix. Voilà, on parle régulièrement dans l'agilité d'avoir des équipes qui sont pérennes. Ça vous parle ? Il y a pourtant des équipages qui sont ultra temporaires et qui marchent du feu de Dieu. En fait, on a déjà vu dans nos entreprises, à plein de moments, quand il y a un problème, on crée une équipe qui est en capacité de tacler le problème le plus vite possible. J'ai fait pas mal de prod et on avait des salles avec les horaires un peu partout dans le monde et on était capable de monter une équipe en urgence pour pouvoir aller régler des problèmes urgents. Et finalement, y a plein de moments comme ça dans l'entreprise où on a besoin de créer des équipages qui sont temporaires. Et ce que dit Unfix, c'est pas grave. C'est pas parce qu'il y a une doctrine agile qui dit qu'on a besoin d'avoir des équipes qui sont pérennes qu'on est obligé de le respecter à la lettre. Et voire même, c'est compliqué de faire des équipages temporaires parce qu'on n'est pas habitué. Parce que ça vaudrait peut-être le coup d'en faire plus souvent, juste pour s'entraîner, à faire en sorte que ça marche régulièrement. Alors la stabilité, on la recherche quand même. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on dit que les choses ne doivent pas être statiques qu'elles ne doivent pas être stables. L'idée, c'est pas de changer tous les matins ou d'être sur trois projets en même temps. Donc on va plutôt favoriser des petites équipes à temps plein qui ont l'habitude de travailler ensemble parce qu'elles ont travaillé plein de fois ensemble où on a fait qu'elles se connaissent et qu'elles ont l'habitude d'accepter le changement facilement. Par contre, l'idée c'est pas de revenir à une gestion en mode projet où pour un projet j'ai besoin de 30% de Jules et 20% d'un autre. Non, on a des équipages temporaires mais qui sont à 100% sur le vol. Oh, je te les laisse. Ouais. 7 principes qui sont édictés et qui commencent à vraiment donner la couleur de ce qu'on essaye d'encourager avec Unfix. Vous pouvez les regarder, on va pas tous les décrire. Je vais en prendre un qui me plaît et puis t'en prendras un. Moi, j'aime bien celui du fait d'équilibrer, donc le 5, équilibrer une cohésion élevée et un faible couplage. Architecture microservice. C'est déjà des termes qu'on connaît en architecture. C'est la même chose pour les humains et les équipes. Et la loi de Conway est pas loin derrière. Si vous organisez des équipes en fonction du modèle de la façon dont elles vont communiquer, le design technique derrière, il va ressembler aux équipes. Bêtement, si vous décidez de monter 3 équipes pour faire un produit, dedans il y aura 3 modules. C'est à peu près sûr. Et si vous en mettez 4, il y aura 4 modules. Donc c'est ça qu'on va essayer d'éviter. Et donc le fait de faire le lien entre comment on s'organise, nous, et le design qui est derrière, je le trouve super intéressant à pousser. Moi, je prendrais bien le 4. Le client, il est partout. Et on ne l'oublie pas. On fait en sorte que le client soit content et on essaye de jamais l'oublier.
Alors, c'est le moment de l'interview. Ah, on va, moment. On va jouer le fait de découvrir les questions. Ouais, vas-y. Clément, comment as-tu découvert Unfix et qu'est-ce qui t'a plu? Alors, comment j'ai découvert Unfix? Donc, Unfix, c'est hyper récent. Hein. Les premières présentations, c'est janvier de cette année. Avril, ça a commencé à vraiment être un peu plus visible et un peu plus documenté. Et moi, tout simplement, je cherchais des entreprises qui avaient utilisé Team Topology et qui, en gros, cherchaient des visualisations de Team Topology en dehors de celles qui sont dans le livre. Impossible d'en trouver. Il y en a une qui a été publiée il n'y a pas très longtemps, Jean-Laurent Demorlon, le VP de Docker, qui a publié un blog post là-dessus. Bizarrement, c'est les gars qui avaient écrit le livre qui étaient venus consulter en consulting chez Docker. Donc bon, voilà, je ne trouvais pas. Et je suis tombé sur quelques images, là, Google Images, on cherche des trucs qui ressemblent, d'Unfix, et j'ai découvert ça comme ça. Et ce qui m'a plu, et ce que je cherchais en premier, c'était le fait d'avoir quelque chose qui me propose un nouveau vocabulaire. C'est exactement ce dont j'avais besoin. J'étais en train de me battre au sein de Scalway à s'assurer que tout le monde parle le même langage et les termes de squad en particulier étaient sur toutes les lèvres au moment d'une réorganisation et personne ne mettait la même chose derrière le terme squad. Et d'ailleurs, nos squads chez Scalway ont à peu près, pas grand chose à voir avec les squads au sens de Spotify. Donc le fait d'avoir un truc qui était bien cadré, très visuel, avec tout un vocabulaire choisi pour être non jargonné, c'est vraiment ça qui m'a intéressé. Et toi, Thomas? Moi, il y a un certain Clément Rochat qui m'a dit « Tiens, tu devrais regarder, ça a l'air fun. » Et donc, effectivement, j'ai regardé et ça m'a vachement plu. Et je trouvais que tout à coup, j'allais avoir un outil pour pouvoir modéliser les organisations, modéliser des trucs et qui aujourd'hui, j'arrivais pas à avoir le... Bon, j'avais bien des tableaux blancs avec des feutres, mais globalement, j'arrivais pas à avoir un truc aussi flexible. Et donc, voilà ce qui m'a plu. Après, en parlant de vocabulaire, j'avais en plus un client qui avait des problèmes sur les certifications Scrum. En gros, les Scrum Masters, il y avait les trois quarts des Scrum Masters, enfin les trois quarts, non. Tous ceux qui étaient déjà certifiés, ils étaient certifiés Scrum Alliance, hein, et les nouveaux, ils étaient certifiés Safe. Et en fait, ils n'étaient pas d'accord sur la définition et sur le rôle de Scrum Master, parce qu'en fait, les formations ne sont pas exactement les mêmes, et le Scrum Master côté Safe et côté Scrum Alliance, c'est pas le même. Et donc, ils étaient déjà en train de commencer à se battre pour savoir qui c'est qui avait raison. Donc à partir du moment où là, tout à coup, on amène un nouveau vocabulaire, je trouvais ça assez sympa de se dire, bon allez, on vous met tous d'accord, ça va être des captains. Balle neuve. Alors dans quel contexte t'as appliqué Unfix? Alors, au moment où tu m'en as parlé, j'allais chez un client qui s'appelle CityScoot. CityScoot qui loue des scooters à la minute dans quelques villes de France et dans le monde. Et on avait pour mission de restructurer l'organisation et d'aider l'ensemble des salariés à restructurer l'organisation. Et donc, c'est à ce moment-là que je l'ai utilisé. Je ne sais plus si c'est après que j'en parle, mais globalement, j'ai fourni l'équipe, j'ai fourni l'outil aux équipes. Je leur ai dit, démerdez-vous avec le site, ça a l'air sympa. Après, ils m'ont dit aussi, on ne veut pas de formation, ça va nous faire perdre du temps. Donc, voilà. Je leur ai donné le site et puis globalement, ils ont réussi à se démerder et puis à modéliser l'organisation actuelle. Et puis après, on a même vu comment aller vers une organisation cible. Et moi, de mon côté, on était dans une phase de réorganisation, comme très régulièrement. Et on essaye au maximum de les prendre très positivement, puisque si on serait... il y a 3 ans, on était 200, aujourd'hui on est 600. Donc forcément, le contexte, il change tous les 6 mois, ne serait-ce que par le scale de la boîte. Et donc du coup, les réorganisations, elles sont nécessaires. On était dans cette phase-là et on avait déjà un travail et une demande dans les équipes de savoir exactement où on en est, qu'est-ce qu'on fait. On était en train de travailler justement avec ces notions de squad, avoir une équipe avec une équipe core
avec donc le PM et les ingénieurs, plus une équipe étendue avec des gens dédiés qui font le design, la documentation, etc. Et donc ça partait un peu dans tous les sens, entre les organigrammes, le fichier Excel avec les noms de chacun pour savoir à quelle équipe il est rallié, etc. Moi, je suis quelqu'un de conceptuel, j'ai besoin d'avoir cette image. Et donc, du coup, j'ai commencé à... Enfin, c'était l'outil parfait pour dessiner l'entreprise sur un seul slide en faisant, sans gérer, ou en tout cas en donnant assez d'infos aux gens pour trouver leurs besoins, qu'ils soient hiérarchiques, organisationnels, etc. Comment s'est passée ta montée en compétences sur le sujet? Pour moi, ça a été... C'est évident parce que bah, ça fait plus de 10 ans que je fais des transformations organisationnelles. Je maîtrise bien tous les formats et tous les frameworks d'agilité qui sont assez visibles aujourd'hui sur la place. J'avais déjà cette faculté, en gros, un peu d'être polyglotte des frameworks. Donc, un nouveau, en plus, dans ma recherche de nouveaux vocabulaires, ça tombait vraiment pile au bon moment, donc aucun souci de mon côté. Oui, du mien non plus, hein. C'est le site est globalement bien fichu, puis il y a une communauté qui est fun, dans laquelle on peut poser plein de questions, et il y a plein de règles, plein de choses qui existent, globalement, on monte en compétences très rapide. Comment les équipes sont montées en compétences, toi, de ton côté? En tout cas, moi, c'était la question d'après. La suivante. Moi, je vais répondre du côté de chez City Scout. Vraiment, ça a été le truc ultra facile. Je leur donne les clés et ils se débrouillent tout seuls. Et voire même, j'aurais fait 2 heures de formation, 2 heures dédiées sur le sujet. Finalement, ils auraient appris beaucoup, beaucoup moins que ce qu'ils ont fait en lisant. Par petits bouts, vraiment notion de document de référence dans lequel tu relis « Ah, et c'est quoi la capability crew ?»« Ah, et est-ce que je peux l'utiliser pour modéliser ce truc-là »« Et est-ce que je peux faire ci avec ça ?» etc. Et finalement, en allant chercher, piocher à l'intérieur de la documentation, il y a eu une montée en compétences et il y a eu une perméabilité de tous les concepts qui sont derrière, qui ont commencé à percoler dans l'organisation, enfin chez les gens. Et toi? Moi, ça n'a pas été aussi simple. Alors, le contexte est un peu différent. Toi, il y avait une cinquantaine de devs. Moi, j'en ai plutôt 250, une cinquantaine d'équipes, grosso modo. Et donc, j'ai fait ce travail de modélisation pratiquement tout seul, en tout cas pour avoir une première version. Et là, je me suis retrouvé devant deux types de populations, les gens qui sont conceptuels et qui accrochent tout de suite dans le dessin, les formes, de retrouver « ok, donc moi je suis là », etc. Et puis les gens qui ne sont pas du tout réceptifs à ça et qui ont besoin de quelque chose de beaucoup plus structuré, de chercher leur nom dans une liste, de savoir « ok, donc je suis là, mon chef il est là, mon référent pour tel truc c'est celui-là ». Etc. Donc du coup j'ai eu deux populations et du coup ça a bien marché avec certains, moins avec d'autres. Mais j'avais pas eu la phase de découverte de l'animation, de trouver où je me trouve, quelles sont les couleurs, à quoi elles correspondent, etc. Donc du coup je pense que ça c'est à prendre en compte quand on commence à jouer avec l'outil. Mais comme pour toutes les modélisations, je pense qu'il y a des gens plus ou moins réceptifs. Alors, on parle, mais on ne vous a rien montré. On va essayer de vous convaincre qu'on a vraiment essayé. Donc ça, c'est une version un peu anonymisée, mais de ce que j'ai fait de mon côté chez Scaleway. Donc chaque équipe jaune, c'est une équipe produit. C'est un ou plusieurs produits de notre catalogue en général. Il y a des équipes donc, qui sont plus transverses, des équipes côté plateforme, qui sont un peu les ops des ops hein, dans notre système, vu qu'on est un cloud, et qui délivrent des services pour nos équipes qui, elles, délivrent des services pour les utilisateurs. On a des équipes plateformes de différents types, à la fois des équipes plateformes au sens
très DevOps du terme, et puis des équipes sur le design, sur des équipes plus expérience, mais qui, dans notre cas, créent du matériel pour les équipes, et donc du coup, qui sont des équipes plateformes. On a des équipes de facilitation dans différents teams, puisqu'on a, on représente du coup les différentes guildes chez nous, plutôt côté produit et côté engineering, etc. Le modèle est très libre, donc du coup, on a manipulé des choses aussi. Par exemple, en haut, on a deux bases qui sont du coup des fonctionnellement un peu différentes, mais qui ont la même hiérarchie. Et donc du coup, on l'a formulé comme ça. C'est pas forcément écrit dans Nfix, mais ça marche. Hein. Il suffit de tirer dans Miro ou dans Figma la bande. Donc voilà, on a commencé à faire comme ça, on a vu les incohérences, on a essayé de déplacer, on a essayé de former les gens à comprendre comment ça marchait, et ça, pour le coup, ça a plutôt bien fonctionné, et on essaye de le faire évoluer, et dès qu'il y a un changement, c'est assez facile, on change la version, et on la met à jour, et on la publie. Bon, alors là, on est chez CityScout. Donc le schéma de gauche, c'est l'organisation telle que les équipes l'ont construite, enfin, l'ont modélisée, en disant voilà à quoi ressemble aujourd'hui. Donc on a plein de component teams, enfin d'équipes spécialisées sur certains trucs, et puis il y a des espèces de forums. Alors c'est des boîtes blanches, puisqu'ils ont dit ah, c'est à ce moment-là, en fait, on est tous ensemble. Et on prend des décisions et on définit les standards et donc on se retrouve avec cette organisation là et ils ont commencé à voir aussi comment on fait de l'interaction entre équipes. Et là, clairement, on voit que les équipes entre elles n'ont pas trop d'interaction, qu'elles passent forcément par le forum pour pouvoir interagir entre elles. Enfin, c'était le fait d'avoir modélisé ça, ça leur a fait sauter aux yeux plein d'incohérences et de défauts dans leur organisation au moment où j'étais là. Et puis, ils se sont dit, OK, par contre, voilà vers quoi on voudrait aller. Alors, vous voyez qu'ils n'ont pas voulu mettre le management en haut, à l'horizontale. Pour eux, c'était un truc qui les coinçait. En revanche, en la verticale, devant, pourquoi pas. Et en revanche, il y avait deux équipes complètement transverses qui apporte pas mal à l'ensemble des équipes, qui est le support et l'équipe plateforme. Et donc voilà un peu ce qu'ils ont monté. Et alors le point qui est important avec ça, c'est que une fois qu'ils avaient fait cette organisation cible, ils se sont dit bon, c'est super, maintenant comment font les équipes pour interagir entre elles? Puis comment elles vont s'organiser? Quels sont les rituels dont on va avoir besoin? Est-ce que on a des outils de communication particuliers à mettre en œuvre au sein d'une équipe? Comment on fait pour communiquer? Est-ce qu'on a un outil particulier? Est-ce qu'on va tous utiliser, parce qu'ils ont plein d'outils différents? Et donc ils ont statué. En tant que coalition qui a géré cette partie de vers où on veut aller, ils ont essayé de répondre à plein de questions quels sont les outils standards à l'intérieur de l'équipe, quels sont les outils standards pour que les autres équipes puissent venir nous contacter, parce qu'en fait si on est sur des outils différents ça va être un peu compliqué. Et donc outils de communication orale, écrite, tout ce qui est documentation, tickets, tout ce qui est repo, CI/CD, etc. Enfin, il y a vraiment plein d'éléments sur lesquels ils sont arrivés à dire voilà nos standards et voilà surtout les interfaces qu'on a vues de l'extérieur. L'équipe s'organise comme elle veut à l'intérieur. Par contre, ce qu'on veut, c'est que quand on a besoin d'interagir avec telle équipe, voilà quelles sont les entrées-sorties qu'on veut avoir avec cette équipe-là. Et après, il y avait aussi une kyrielle de questions et de remarques qu'on a pu adresser, alors soit nous en tant que coach et accompagnant dans le changement, et puis il y a aussi des questions qui ont été à destination du management. Et donc finalement, le fait d'avoir produit ça, ça a permis d'aller chercher des réponses à pas mal de questions qui ne s'étaient pas posées, et sans le dessiner, finalement, ils se seraient jamais posé la question. Et là, ça a permis de casser certains sujets. Je pense qu'on va avancer. On avait quelques questions, mais
mais on est dans les temps si on veut quelques questions. Les éléments à retenir, donc c'est pas un framework, c'est une boîte à outils pour modéliser. Si vous faites du safe, du less, du ce que vous voulez, un truc que vous avez inventé, vous pouvez le garder et vous pouvez utiliser Unfix pour vous organiser. Il n'y a pas de volonté de passer au-delà d'un framework que vous utiliserez et qui potentiellement marche. On peut tout modéliser, y compris en dehors de l'IT, et ça c'est plutôt important. Même une boîte qui ne ferait pas du tout d'IT peut rentrer dans le cadre et utiliser le modèle. Et du coup c'est assez efficace pour démarrer une transformation, plutôt dans des petites entreprises ou des petites structures comme tu l'as dit, je pense que c'est plus efficace sur 50-80 personnes. Ouais, après, en tout cas, après CityScoot c'est 300 personnes. Hein. Mais il n'y en a que 50 sur l'IT, mais malgré tout, ils avaient modélisé la totalité de l'entreprise. Thomas et ses collègues ont écrit un super article vraiment de très descriptif et en français sur l'exercice. Je vous invite à flasher ce code si vous voulez. C'est un lien vers le blog post qui vous permettra de rentrer un peu plus en détail si ça vous intéresse. Du coup vous aurez à la fois l'explication de tous les détails et un avis critique sur le format, donc c'est une bonne suite pour approfondir. Et puis on a nos contacts pour nous deux moyens de nous contacter, Clément qui est resté encore sur Twitter et moi qui suis sur Mastodon. Est-ce qu'on a le temps de prendre des questions? Ouais. Oui, allez. Non, je ne sais pas si l'horaire. Il n'y a pas de chef de salle. On a le droit de prendre des questions. Bah écoutez, si on ne sait pas virer, on prend des questions. On a mis des questions si vous voulez vous servir et que vous n'en avez pas. Ouais. Ouais. Ah, on l'aurait répété. Super, sinon on aurait répété la question. Oui, pardon. Donc, déjà, merci pour la présentation. Et donc, ça a l'air d'être un excellent outil de modélisation. Est-ce que c'est aussi associé à des éléments dans le cas d'une transformation de recommandation un petit peu? Parce qu'il y avait pas mal d'éléments implicites que vous citiez. Par ouais. exemple, les gens sont allés au plein temps à des équipes. Il y a tout un tas d'éléments comme ça qui sont souvent des éléments que rappelle Jürgen Appello dans ces trucs. Donc, est-ce que derrière le framework, il y a ça aussi qu'on peut mettre dans les mains des équipes ou c'est juste un outil de modélisation en fait? C'est un outil de modélisation. C'est quand même bien décrit et bien encouragé à la lecture du site qui est très, très pédagogique. Donc, c'est disséminé de manière intelligente, par contre c'est pas directif, donc on incite, on met les gens dans un entonnoir pour arriver à une organisation agile avec tout l'apprentissage des 20 dernières années, mais sans pour autant être directif. C'est pas utilisable en tant que tel si on fait pas de Scrum ou en tout cas si on n'est pas aguerri aux méthodes agiles. On pourra pas s'en sortir réellement avec ça. Si on n'a pas un framework, si on est beaucoup, s'il y a une coordination entre les équipes à faire, ça va pas non plus débloquer les choses si on n'a pas un minimum de maturité sur les organisations. Ok. Est-ce qu'il y a une autre question? Ouais, deux autres. Il y a deux questions de ce côté. Je voulais savoir de votre expérience, est-ce que vous recommanderiez de faire table rase de toutes les noms, de repartir de zéro pour favoriser en fait que ça prenne quoi? Comment faire pour éviter qu'il y ait un frein au changement par rapport aux habitudes de nom, de tribe, etc. Là, on est plus dans la conduite du changement, j'ai envie de dire, et ça va vraiment dépendre des gens et des organisations. Après, le truc que j'ai testé, là, ça va faire deux fois déjà que je le teste. J'ai l'impression d'avoir énormément d'expérience sur le sujet. Non, je rigole. C'est effectivement de mettre l'outil dans les mains des gens, et que ce soit les gens qui modélisent l'organisation actuelle, et qu'on essaye d'aller vers l'organisation cible. Et le fait d'avoir ce nouveau vocabulaire, ça leur permet, alors dans un des deux cas ça n'a pas fonctionné, il y a un des deux cas où au contraire ils ont dit nous on va appeler ça une squad, ok.
Et puis dans l'autre cas, au contraire, ça a permis de casser des barrières. Donc ben, finalement, il y a des endroits où ça marche avec ce nouveau vocabulaire et d'autres endroits où ben, ils sont quand même très très à cheval sur leur propre vocabulaire. Après, il y a une... Il y a un point qui peut être important, c'est que à partir du moment où on change les fiches de poste, il faut aller voir les représentants du personnel. Et donc il y a des endroits où on ne peut pas, facilement, ou en tout cas ça va être long. Moi de mon côté, j'aimerais bien. Moi je serais très très motivé à tout changer et à partir sur des nouveaux noms, mais la réalité et le terrain me fait dire que ça marche jamais. Quoi qu'il se passe, il y a une inertie et des gens qui sont à l'aise avec un vocabulaire. Et à part avoir une vraie équipe de conduite du changement, avoir quelque chose, un plan costaud d'accompagnement, ça paraît risqué, en tout cas en mode un peu tout seul, d'essayer de tout changer, de repeindre du sol au plafond. Aujourd'hui, je vois pas trop comment y arriver, même si c'est ce que moi j'aimerais faire. Ok, merci. Bonjour, merci pour la présentation. J'avais deux questions. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est adapté aux petites structures entre 30 et 50 personnes où les gens sont un peu multicompétences, multitasking et que tout le monde fait un peu met la main à la pâte là où il y a des vides à combler. Et aussi, je ne sais pas quel est le niveau de détail en fait qu'on donne dans cette modélisation, parce que la toute première image que vous avez montrée où il y avait des smileys qui représentaient des personnes, est-ce qu'on met les noms des personnes? Dans ce cas-là, quand elles font plusieurs choses, est-ce qu'elles apparaissent plusieurs fois? Nous, on est en holacratie, donc on a déterminé certains rôles. Est-ce qu'on peut se cantonner uniquement au rôle? Voilà. De mon point de vue, de toute façon, quand on est assez petit, ça ne sert à rien de s'organiser puisque ça va bien se passer. Quel que soit le format, on se connaît tous, on prend tous le café ensemble, même s'il est remote, il n'y a pas besoin de mettre une structure incroyable. Dès qu'on passe au-dessus de 30, 40, 50 personnes, pour le coup, Unfix, c'est pratiquement annoncé pour être fait pour ces petites entreprises. Donc oui, la réponse elle est claire là-dessus. Ça peut challenger les gens sur le fait qu'ils en font peut-être un peu tout et qu'il y a peut-être un autre moyen de s'organiser. Tout est mouvant. Il n'y a pas de... Ça reste... C'est votre organisation, on vous aide. C'est un outil pour essayer de vous structurer. Ça ne va pas décrire votre travail dès demain. Donc... Il faut voir. Donc il faut essayer. Si vous arrivez à faire marcher de l'holacratie et que vous êtes content avec, pourquoi trop chercher? Ou en tout cas, vous avez les instances qui vont vous permettre de savoir si vous avez envie d'essayer ou pas. Donc j'ai envie de dire, vous verrez bien. Tu as peut-être un peu plus d'expérience sur le lien holacratie. J'allais dire... En fait, si vous n'avez pas de besoin de modéliser, enfin, s'il n'y a pas de problème à résoudre, je ne vois pas l'intérêt d'aller chercher à résoudre un problème qui n'existe pas. Et, en revanche, oui, c'est fréquent que dans des petites startups qui commencent à scaler, qui arrivent autour de 20-30, et que bah, c'est à ce moment-là, on n'a plus une seule équipe, on n'a plus deux équipes, il y a des endroits où on va se retrouver avec... finalement 2, 3, 4 produits et puis des équipes qui ont commencé à se cristalliser autour de ces produits. Et c'est il y a un moment où vers 30 personnes à peu près où on commence à se poser la question de comment on fait pour pouvoir passer à une taille supérieure. Maintenant vous avez déjà de l'holacratie. Ça me paraît pas forcément. C'est déjà un outil qui permet d'aller vers plus grand. Je voyais ça. Je voyais son utilité en termes de documentation, de représentation, justement. C'est peut-être quelque chose qui permet de plus facilement assimiler l'organisation et d'intégrer plus facilement à l'embarquement les nouvelles ressources. Ah oui, non, mais dans ce cadre-là, oui. Et auquel cas, je verrais bien mettre juste les rôles.
Et après, vous pouvez être dans deux équipes et dans deux couleurs du moment que vous arrivez à faire le lien et changer de casquette correctement parce que c'est votre façon de faire. Il n'y a pas forcément de raison. Je vous propose qu'on coupe histoire de ne pas, mettre d'autres tout, gens tout mal. Tout le monde ado, ouais, on est déjà à 50 merci minutes. Merci beaucoup. On reste merci, là, merci. Juste à côté. Donc, continuez à venir nous poser des questions. On en discutera avec plaisir. Merci à vous.